si tu peux découper, tu peux les découper avant de les... Ah ouais. Mais ça fait rien, je te les pose là comme ça si tu veux. Mais et moi, puis lui, tu pourrais le faire vert. Les dragons, c'est souvent vert. C'est bleu. Bah là, il me dit que ça peut être n'importe quoi. Ouais. Juste des flammes sur les... Ouais, mais tu sais, les flammes, tu peux les mettre comme ça, tu vois. Ça, c'est un type de dragon, il est en magma, par exemple. Chut, l'atelier de théâtre est en cours. Suivez-moi. Et voilà. Allez vite, je suis fini là. On marche, on marche. On occupe tout l'espace. Attention. Attention, chute. Attention. On va former le chiffre 2. C'est l'heure de la collation, suivez-moi. Bon appétit les enfants. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Bonjour Anaïs. Bonjour Amélie. Par rapport à l'année dernière, je trouve qu'il y a des changements et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que vous avez un petit goûter le mercredi qui est tout fait maison. Donc vous avez un jus de fruits qui est fait maison. Vous avez des petites salades de fruits fait maison, souvent argumentées d'un petit jus de menthe. L'année dernière, vous aviez des barres chocolatées, c'est ça ? Des barres chocolatées et des pâtes de fruits. Donc voilà, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment vous faire une petite pause le matin pour équilibrer votre journée avec des vitamines, avec des compotes de fruits, avec des jus de fruits maison pour que vous puissiez tenir la matinée. Est-ce que ça vous convient ? Oui, ça nous convient et d'ailleurs, c'est plus équilibré que l'année dernière. Ah ben, j'en suis très contente, Amélie. Nous prenons des fruits d'agriculture raisonnée, des fruits bio la plupart du temps. Voilà, on met vraiment l'accent sur ce sujet-là. Et je suis contente que ça vous plaise. Merci. Merci Amélie, au revoir. Aujourd'hui, il fait beau. Nous faisons sport dehors. Suivez-moi. Petite visite de l'atelier informatique. Suivez-moi. Ça, c'est l'épisode 3. Attends. Je vais enlever. C'est toi là. Et maintenant, regarde. This is English workshop. Follow me. Le voisin dormi. Their sleepy neighbor runs around the house. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire leur voisin endormi court autour de la maison. Alors Valentine, qu'est-ce que tu penses des ateliers du mercredi ? Ce qui est bien, c'est que ça change souvent d'activité. Et du coup, c'est bien parce qu'on s'ennuie jamais. On fait aussi des sorties 2 ou 3 fois dans l'année. Ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses et c'est super. Bon, alors donc ça t'a plu cette année ? Oui, ça m'a beaucoup plu. Et ça fait combien de temps que tu vis aux ateliers du mercredi ? C'est depuis le CE1. Et honnêtement, jamais je me suis ennuyée. Alors Charlize, qu'est-ce que tu penses des ateliers du mercredi ?
Bah, on s'ennuie jamais, les animateurs sont sympas et gentils. Ouais. Et tes ateliers préférés, c'est quoi? Informatique, théâtre, enfin tout. Alors Colin, qu'as-tu pensé de cette année aux ateliers du mercredi? C'était bien, j'ai bien aimé quand on faisait la queue du diable en sport avec ma sœur Anaïs et le ballon prisonnier. Et les cartes Pokémon en informatique avec Franck. J'ai bien aimé l'atelier de parole aussi. Et toi Thomas, qu'as-tu pensé de cette année aux ateliers du mercredi? Oh, c'était très bien. Avec Mireille en anglais, on apprenait plein de trucs. En théâtre, on jouait plein de scènes, c'était trop drôle. Et même en sport, on allait toujours dehors, à part des fois en hiver, il faisait trop froid. Du coup, on allait dans le donjon, ça aussi c'était bien. Le donjon? Mais il n'y a pas de donjon à l'école. Le dojo. Ah oui, le dojo, parce que